Alors, le championnat, en fait, le championnat de France d'Arts, tous les joueurs sont qualifiés à l'origine dans les bars pour arriver lors des finales qui se déroulent à La Rochelle pendant près d'une semaine. Celle-ci se déroule en plusieurs catégories. Vous avez des mixtes, féminines et individuelles, en plusieurs catégories également, c'est-à-dire pro, master, national, 1, 2, 3, 4, 5. Et cette compétition se déroule sur une semaine, à savoir 3 jours de compétition en doublette, une journée en individuel et 3 jours en équipe. À l'origine, nous avons 200 machines pour effectuer cette compétition et cette manifestation. Et plus de 800 équipes et doublettes et individuelles qui s'affrontent pendant toutes ces journées. Alors, bon, sur les feuilles de match, on utilise principalement deux jeux qu'on retrouve. C'est les deux jeux caractéristiques des fléchettes. Il y a un jeu qui s'appelle donc le 0-1, où il y a deux variantes. On peut commencer à 301 points ou 501 points. Et le but de ce jeu, donc, c'est d'arriver exactement à 0 points quoi, pour gagner la partie. Donc, par exemple, on démarre à 301 points, le joueur va viser, marquer 50 points, il descend à 251 points, et ainsi de suite, jusqu'à arriver pile à zéro. Quoi. Et là, la partie est remportée. Quoi. Le deuxième jeu qu'on a sur les fléchettes, c'est le jeu du cricket, où là, c'est un peu plus stratégique. On joue avec les numéros 20, 19, 18, 17, 16, 15, et le centre de la cible qu'on appelle la bulle. Et il faut déjà ouvrir trois fois un numéro, donc on tape trois fois le 20 pour ouvrir le 20. Et ensuite, en continuant à marquer dans ce numéro, on marque des points, quoi. Jusqu'à ce que l'adversaire lui-même tape trois fois dans le 20 et ferme le numéro. Donc le numéro est perdu pour la partie, et ainsi de suite, 20, 19, 18, 17, 16, 15 bulles. Et donc pour gagner la partie, il faut avoir fermé donc, tous les numéros et avoir le plus de points possible. Voilà, c'est les deux jeux principaux sur lesquels on joue aux fléchettes, quoi, sur le site de La Rochelle.